Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis un petit peu enrhumée comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul qui va être de chez Sephora et du Furet du Nord. Donc bien sûr, j'ai déjà ouvert quelques petites choses. Cette vidéo va sûrement pas être très très longue. Je vais par contre faire peut-être un haul dans pas longtemps ou dans la semaine. Parce que je vais faire une commande pour Yves Rocher avec des nouveaux cadeaux. Normalement, une trousse, une autre trousse et une montre. Je vous en dis pas plus. On va commencer tout de suite avec Sephora. Donc, là-dedans, j'ai fait une carte, donc une carte de fidélité que j'avais déjà faite, mais sur internet. Donc il manquait juste quelques informations, du coup je l'ai activée. Et voilà à quoi elle ressemble. Donc je sais pas si vous voyez comme moi je vois sur la vidéo. Je pense que c'est écrit à l'envers. Donc après vous faites comme vous voulez, enfin, je sais pas en fait. Mais c'est Sephora Right. Donc du coup je suis trop contente. J'ai une carte Sephora. Du coup, à mon prochain achat, je vais avoir un vernis ou une mousse de rasage offert. Offerte. Donc, bien évidemment, vous allez vous dire, mais elle va pas acheter une mousse à raser, hein? Donc, je vais prendre un vernis, bien évidemment. Donc, ça sera des vernis comme ceci. Je sais pas si vous voyez. Là. Comme ceci, comme cela. Donc j'aurai ça. Après, je dessin son dessin. Ah! Des 150 points. Donc c'est-à-dire 1 euro égale 1 point. Donc au début, j'avais pas très bien compris, mais moi je vais vous expliquer. Ou 4 passages en caisse. Je vais avoir 10% de réduction. Donc c'est pas tellement. Voilà. Donc par exemple si le produit est à 100 euros, je vais payer 90 euros. Donc en fait c'est pas très très privilégié. Parce que 10% c'est pas beaucoup. Enfin en fait plus votre prix de votre ce que vous voulez acheter est gros, plus. J'ai un trou. Plus votre somme de réduction est grosse. Donc bref, dès que j'ai acheté par exemple, si j'achète un truc à 150 euros, et ben mon prochain achat, j'aurai 10% de réduction. En fait, vous achetez un truc à 10 euros, vous avez 10 points. Du coup, bah voilà. Ou alors 4 passages en caisse, ça dépend. Et puis après, avec et pour plus de privilèges, il faut que j'obtienne la carte Sephora Black. Donc, ouais, des 500 points ou 4 passages en caisse. Comme ça, j'aurai plein de bons de réduction de 10%. Un cadeau pour mon anniversaire, des ventes privées, 20% sur mes achats, donc pour les ventes privées, et des attentions personnalisées. Donc c'est un peu comme Yves Rocher, il y aura sûrement des cadeaux ou des trucs, des points ou des trucs comme ça, si j'achète des choses. Voilà, donc vu que je l'ai eu qu'aujourd'hui, avec ce que j'ai acheté, bah, j'ai 9 points. Et donc voilà. J'ai une nouvelle carte à mettre dans mon petit porte-monnaie. Alors, donc bien évidemment, je n'ai pas acheté que ça. J'ai acheté aussi un nouveau Merci Andy. Donc c'est le Flower Power. Vous devez tous le connaître. Voilà.
Donc j'ai acheté lui. Et puis en fait, j'ai déjà voulu l'acheter. Et maintenant, j'ai pu l'acheter. En fait, je vais pas vous mentir, je sais pas trop ce que c'est. J'hésite entre un baume et un rouge à lèvres. Je pense que c'est plutôt un rouge à lèvres. Après, je vais pas vous mentir, hein, voilà. Mais c'était pas marqué sur le truc. Donc, je vais essayer de me renseigner. Ben, en fait, soit c'est un rouge à lèvres, soit c'est un baume qui fait rouge à lèvres parce que il y avait rouge et rose. Bref, donc c'est le coquette. Donc je pense que c'est plutôt un rouge à lèvres. Donc portatif. Comme ça. Donc il y avait rose et rouge, mais je sais que ma mère, si j'avais pris le rouge, elle m'aurait un petit peu tuée. Bref, voilà. Et puis j'ai mon ticket de caisse avec sur ma carte de fidélité. Donc nombre d'articles de machin machin. Et du coup. J'ai bien 9 euros de dommage. Donc j'ai eu 20%, donc. Ouais, bon, bref, je comprends. Et surtout, n'oubliez pas, ça c'est cool. Ça c'est très très cool. Recycler, donc économiser. Donc tu ramènes ton flacon. Mais bon, c'est soit un flacon de chez Sephora, soit un flacon de marque. Non pas un flacon de chez Yves Rocher ou de chez Nocibé. Vraiment que ce soit un de marque. Ou de chez Sephora, je pense. Pour avoir 20% sur un nouveau parfum. Donc ça c'est cool. Et puis après, j'ai acheté mon nouveau Kindra Girls. Donc je sais pas si vous connaissez. En tout cas, j'aime bien ce livre. Puis j'ai presque toute la collection. C'est la rose bleue. Voilà, donc je sais pas si ça vous intéressait. C'est un livre qui raconte. Ah voilà. 5 jeunes filles talentueuses venues de 4 coins du monde ont quitté leur pays pour faire leur premier pas dans l'académie. Je sais jamais comment ça se prononce. Bergstrom. Je pense. Loin de chez elles, elles vont découvrir leurs différentes cultures, inventer un code secret, devenir amies pour la vie et trouver un incroyable trésor caché dans l'école. En explorant de mystérieux souterrains et passages secrets. Donc après, je vais pas vous raconter toute l'histoire non plus. Donc voilà. Donc il y en a une qui vient. Il y en a une qui est japonaise, une qui est espagnole, une qui est afro-américaine, une qui est indienne et une qui est australienne. Donc elles ont tous un don. Donc la japonaise, c'est parce que elle prend des. C'est une peintre talentueuse. Après l'autre, c'est parce qu'elle chante super bien. L'espagnole. L'afro-américaine, c'est parce qu'elle. Le cirque, c'est sa passion. L'indienne, c'est parce que la danse, c'est sa passion. Et puis l'australienne, parce que c'est l'équitation. Sa passion. Donc voilà. Donc voilà, ce petit haul est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le dire par commentaire ou à me demander d'où viennent les produits, même si vous le savez. Ou alors à me demander mon avis, des trucs comme ça. Voilà, je pense que j'ai un peu tout dit. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être haul, pour mon Yves Rocher, ma commande Yves Rocher. Je vous fais
fais de gros bisous. Bye bye pour une prochaine vidéo.